Good morning, Aleiden. Et tu seras aujourd'hui le long Nishmat Amram Yonah ben Chana, Nissim ben Ahuda, Sarah ben Chana Rachel, ainsi que l'Irfuat Ari Akiva ben Shachar, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Avot, Perek Bet, Mishnah Daled et He pour aujourd'hui. Sur le fascicule, on a écrit qu'on allait faire Daled, He, Vav et Zain pour le prochain cours. On va plutôt laisser la Mishnah Vav avec la Zain. On fait juste aujourd'hui Daled et He qui sont assez, des Mishnahs assez riches. Ouaya Omer, Asse, Mishnah Dalet. Ouaya Omer, Asse, Retsono, Kirtsoncha, Kedeshe, Asse, Retsoncha, Kirtsono. Batel, Retsoncha, Mipene, Retsono, Kedeshe, Batel, Retsoncha, Mipene, Retsoncha. Hillel Omer, Altifroj, Minatzibur. Ve Alta Amen, Beatzmach, Adiom, Motach. Ve Alta Din, et Chavercha, Adjtagia, Limkomo. Ve Alta Omar, Davar, Shei, Efchar, Lishmoa, Shesofo, Limshama. Ve Alta Omar, Nichshe, Epane, Eshne. Shema Lotipane. Huaya Omer. Il avait l'habitude de dire, on se rapporte sur Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Pour rappel, depuis la fin du Perek Aleph, on est en train de passer toute la dynastie, depuis Hillel, Azaken, jusqu'à tous ses enfants, les enseignements d'abord de leurs enfants qui étaient les Nassim. Il y avait Rabban Gamliel, Rabban Shimon Ben Gamliel, il y avait Rabban Shimon le premier. Il y avait ensuite, il y avait des Hillel, il y avait Rabbi Yehuda Hanassi. Et puis on continue avec l'enseignement, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi qui s'appelle aussi Rabban Gamliel. Benoch el Rabbi Yehuda, pas Rabban Gamliel, Benoch el Rabbi Shimon, Benoch el Rabbi... D'accord, ouais, on s'est compris. Donc en tout cas, il nous disait, Huaya Omer, il avait l'habitude de dire, Rabban Gamliel ben Rabbi, Rabbi Yehuda Nassi. Quand il y a un Rabban, c'est que c'était le Nassi, quand on va dans le chasse, Rabban, à la différence de Rabbi pour tous les autres Tanaïm. Donc, ça veut dire notre maître, le maître admis de tout le monde. Huaya Omer, Aser et Tzomcha Kir Tzomno. Il avait l'habitude de dire, fais sa volonté comme ta volonté. Afin qu'il fasse ta volonté comme sa volonté. Soit, c'est interprété de deux manières, dans la même idée, Bartonora qui nous dit, lorsque toi tu vas acheter quelque chose, quand tu vas aller acheter un costume, une chemise, une cravate, et tu vas vouloir acheter par exemple une cravate, tu vas avoir une cravate assez jolie, à un certain prix, puis tu vas tourner la tête, tu vas avoir une cravate qui est encore plus raffinée, un petit peu plus. Mais il faut rajouter quelques petits sous dessus. Avec quel entrain tu vas dire ? Tu vas dire, comme disait mon arrière-grand-père, la qualité, le prix s'en va, la qualité reste. Ouais, tu vas tout de suite partir, tu vas bon, on va pas discuter, on va pas mégoter sur quelques sous par rapport à une belle cravate. Eh ben, avec la même conviction, avec la même certitude, le même rapport tu dois avoir lorsque tu vas accomplir les mitzvot d'Hachem. Dis-toi que Hachem, quand il t'a demandé de faire une mitzvah, d'acheter des tefillines, d'acheter une mezouza, d'acheter un etrog, d'acheter un talit, ou quoi que ce soit, eh bien, dis-toi, approche les achats que tu vas faire en l'honneur d'Hachem avec la même approche. Que tu vas, voilà, tu vas te fixer un certain prix pour acheter, et puis finalement, tu vas tourner la tête, tu vas voir quelque chose qui est encore plus splendide. Eh bien, n'hésite pas à le faire. Ça, c'est Aser Retsono Kirtsoncha. Fais sa volonté comme toi, tu te soucies de faire ta volonté. J'ai pris un exemple d'habits. Ça peut être la même chose aussi avec des aliments. Qui ne va pas acheter du chocolat, par exemple, un petit chocolat, une petite barre pour se remonter un petit peu, un petit creux en pleine journée. Et puis on va avoir une barre au chocolat sympathique, et puis on va tourner la tête, on va voir celle qui a un petit goût encore plus raffiné. On va pas hésiter à rajouter quelques sous marron. Et bien avec la même approche, fais les mitzvot, afin que, Kedeshe Yaser Retsoncha Kirtsono, afin que, lui aussi, vous inquiétez pas pour Hachem, il se conduit, la loi du talion, il se conduit avec nous comme on se conduit avec lui. Mida Kenegan Mida. Alors de la même manière, s'il voit que toi tu fais naturellement, tu es capable de dépenser pour son honneur, alors lui aussi, au lieu de te donner ta parnassa en te faisant un petit peu trimer, en te faisant danser, il va te dire, allez viens mon fils, prends Bechefa. Ça c'est l'explication du Bartanova. Et l'explication du Feret Israël encore, elle est, cette fois-ci, elle est sur l'approche, comment approcher les mitzvot. Fais-le avec entrain. Lorsque toi tu vas faire quelque chose, fais-le avec entrain. Si demain tu vas partir en randonnée, eh ben, tu vas te lever en pleine forme. Et tu vas pas rater l'heure du réveil. Et tu vas même être 10 minutes plus tôt, plus près, afin de pouvoir mieux exploiter ta journée et mieux en profiter. Eh ben, fais sa volonté avec le même entrain. Comme si c'était quelque chose. Comme si, avec la même. Fixe-toi la barre comme si que c'était quelque chose de très important pour toi. De manière à ce que Hachem va lui aussi se soucier que tout est. Soucis matériels, tes problèmes de parnassa, tes problèmes d'aller remplir des paperasses et de faire toutes sortes de choses techniques, eh ben il va te la faire avec la même aisance. Et ça, hein, ça va se fondre sur le principe que Bizman Israël aussi Mretzono Shel Makom, alors Melartan Asit Al Ede Acherim, lorsque les Bnei Israël font la volonté d'Hachem,
Alors on a leur devoir terrestre se font accomplir par d'autres, par des goïms qui le font à leur place, par d'autres personnes qui étaient prêtes à le faire. Encore une autre notion qu'on reverra encore sous plusieurs formes d'expression dans tout au long de Pirkei Avot, Bezrat Hashem, que on a été créé sur Terre pour servir Hashem et on a un devoir de trimer. Et bien si on décide de trimer dans la voie de Hashem, alors Hashem il nous dit, ben écoute mon fils, c'est bien, tu t'es assez fatigué, t'es assez peiné pour faire ma volonté, que je vais en plus de ça te rajouter de la peine de peiner pour des affaires très matérielles, alors viens je te les résous naturellement. Mais si toi tu prends pas sur toi le Torah, et ben alors sache que dans la vie il faut trimer, donc tu prends pas le Torah, tu te fixes pas de partir étudier la Torah et accomplir les mitzvot avec en peinant, et ben on va te donner un petit peu de la peine ailleurs, comme ça il faut pas laisser les hommes trop tranquilles non plus sur Terre, on n'est pas là pour ça, d'accord? C'est le même principe. On continue. Ça c'était donc à Aseretzoncha, Retzono, Kirtzoncha, Kedeshi Aseretzoncha, Kirtzono. Fais sa volonté comme ta volonté pour qu'il fasse ta volonté comme sa volonté avec la même aisance. Ensuite, selon le même principe, Batel Retzoncha mi pene Retzono, Kedeshi Batel Retzoncherim mi pene Retzonecha. Annule ta volonté, tes désirs devant sa volonté. Lutte contre ton Yetzara. T'as envie de faire quelque chose et tu sais qu'Hachem il veut pas que tu fasses cette chose-là. Eh bien, annule ta volonté devant sa volonté. Et quelle sera la conséquence de ça? Ouais, j'ai mangé de la viande à midi, je me retrouve maintenant à 5h de l'après-midi, avec un bon petit chocolat à manger. J'ai très envie. J'ai même plein de svarot, pourquoi je pourrais permettre? Vraiment plein de svarot, même il khatiot et... Eh ben non, annule ta volonté devant sa volonté. Objectivement, sa volonté, c'est que tu ne manges pas. Eh ben ne le mange pas, annule ta volonté devant sa volonté. De manière à ce que, puisque c'est devenu ancré, alors... c'est devenu la mida que tu utilises. Alors, mida kenegan mida, Hashem aussi va annuler, kedeshi vatel retson cherim mipene retsoncha, afin qu'il annule la volonté des autres devant ta volonté. Ceux qui vont vouloir te faire du mal, te nuire par exemple, il va annuler leur projet de te nuire devant ta volonté, afin que toi tu puisses réussir aisément. C'est une première explication. Barthanoa apporte encore une deuxième interprétation en disant c'est fréquent dans la Torah où en réalité on voulait dire qu'Hashem il va annuler sa volonté devant la tienne. C'est-à-dire, ça rejoint en principe, bon, c'est une manière de s'exprimer dans la Torah, c'est assez fréquent, hein, de ne pas vouloir parler d'Hachem, par exemple, en rabaissant son honneur, en disant qu'Hachem, il va annuler sa volonté, c'est pas digne. Donc, la Mishnah, elle s'exprimait de manière propre en disant qu'il annule la volonté des autres, en faisant allusion en réalité à sa volonté. Soit, ça rejoint le principe concrètement, un homme qui prend sur lui le kol haosem mitzvah ketikna, un homme qui accomplit une mitzvah comme il se doit, avec zèle et avec splendeur comme il faut, alors même s'il avait un gzardin de Shivim Shana, il avait sur lui un gzardin, Hachem il avait décrit sur lui qu'il était obligé de souffrir pendant 70 ans, et bien parce qu'il a accompli la mitzvah merveilleusement bien, il a annulé, il s'est travaillé, il a lutté contre son Yetzara, alors Hachem il va annuler aussi le décret qui était promulgué contre lui. D'accord? Ensuite, Hillel Omer, alors ce Hillel là, discussion, est-ce que c'est le fils de ce Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda, ou est-ce qu'en réalité on revient sur Hillel Azaken? En tout cas, Hillel Omer, Hillel disait, Altifrosh Minatzibur, il nous donne 5 conseils concrètement. Altifrosh Minatzibur, ne t'écarte jamais du public. Soit, c'est à l'assemblée qui peine pour quelque chose, et que toi, tu es naturellement, tu n'as pas ce souci. Peu importe le ouais, il y a un tracas qui préoccupe une certaine beaucoup de personnes de la communauté, du quartier, et toi t'es pas concerné par ça. Par exemple, je sais pas moi, une crise économique chez eux, tandis que chez toi ça te concerne pas, parce que toi dans ton domaine ça te touche pas. Et ben il nous apprend, Hillel nous dit, ben altifroche mina tzibour, ne t'éloigne, ne vis pas à l'écart du tzibour, du public, mêle-toi avec eux, vis leur peine, vis leur souffrance, parce que tout celui qui, il y a une grande règle, si on vit avec le public et qu'on souffre en même temps que la souffrance du public, alors ensuite, bien sûr, grâce à notre filot et notre tshuva, Hachem il envoie sa Yeshua, il nous sauve, et puis celui qui a participé, alors il aura le droit de voir la belle Yeshua d'Hachem. Tandis que celui qui n'a pas participé, ben, il ne la verra pas. C'est même, le Tosafot Yom Tov, il rapporte même que c'est même plus grave que ça qu'en réalité. On ne le laissera même pas voir la Nechama ensuite, la consolation qui viendra ensuite. Hachem, il nous éprouve parce qu'il a un certain but, il attend de nous quelque chose, et si on se soucie, donc, de prendre sur soi, même si c'est l'autre qui souffre, c'est pas vraiment moi, mais moi aussi je m'associe à sa souffrance, alors, dans ce cas-là, ensuite, la consolation, je serai aussi concerné par elle, et la consolation, elle est toujours plus intense que la peine, de ce fait, c'est beaucoup plus
D'accord, on sera beaucoup plus joyeux à la fin. Ve'al ta'amen be'atzmecha ad yom motach. Ne crois pas en toi jusqu'à ce que tu quittes, jusqu'à ce que tu quittes le monde. À titre d'exemple, Yohanan Kohen Gadol. On a fini Hanouka, Yohanan Kohen Gadol. Pendant 70 ans, c'était le Kohen Gadol qui a porté la Ktoret, Lifnai ou Lifnim. Après 70 ans, il a, et c'est devenu un Tzedoki. Chas v'shalom. On est tous influençables. Il faut tous savoir, on peut être un grand tzaddik si on va se mettre devant des scènes pas très propres, si on va se mettre à écouter du Lashon Hara, de la Marloquette et tout ça. Très facilement, on risque de tomber dans ça et de se laisser, même si on avait un grand niveau spirituel initialement. Eh bien, ne crois pas en toi jusqu'à que tu quittes ce monde. Tant que tu es sur terre, tu as encore un Yitzhara. On raconte qu'il y a Rabbi Cheskel Levinstein, si je ne me trompe pas, je crois que c'était lui, Majgar Toponovitch, qu'il y avait un Bachour qui, pour rentrer chez lui, passait toujours par Tel Aviv. Tel Aviv, c'est l'endroit de la Pritzout, l'endroit où les gens sont moins bien habillés. Et il a dit au Bachour, mais comment tu fais pour partir là-bas? Il ne faut pas, ça ne nous correspond pas, nous, on est des Bnei Torah, il ne faut pas partir dans des endroits comme ça. Le Bachour a dit, moi, je pense à de la Torah, il n'y a rien qui me dérange. Il était déjà vu Rabbi Cheskel Levinstein. Il avait dit, comment toi, tu crois que tu dis ça? Moi encore, qui sont encore vus, regarde ma barbe blanche, regarde comment j'ai plus de force et tout ça. Moi, quand je marche dans la rue, j'ai le Yitzhara qui vient, qui me dit, vas-y, lève les yeux, regarde cette femme-là, comme elle est. Et moi, j'ai encore mon Yitzhara qui est là. Comment toi, tu es un petit jeune qui est en pleine force de l'âge, et tu crois que tu n'as plus de Yitzhara, toi aussi? Al tamen atzmecha diomotach. Ensuite, val tadir et travercha ad shetagia limkomo. Ne juge jamais ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa position, à sa place. Des fois, on voit l'autre réagir de manière très bizarre, indigne. L'exemple type. J'ai toujours, depuis que je suis jeune, je regardais toujours comment des pères, de manière générale, s'adressaient toujours à leur fils, jamais sympathiquement, toujours en train de le reprocher, de les piquer, Et je me disais toujours, mais pourquoi? Et jusqu'au jour où moi-même, je suis devenu papa. Et j'ai réalisé aussi que naturellement, on a la perception naturelle de ses enfants, c'est de les prendre pour de la pâte à modeler qu'on peut prendre et qu'on peut modeler à sa manière. On n'a pas compris qu'il y a un être qui a aussi une manière de penser, qu'il y a un être en face de nous tout simplement, et qui ne pense pas forcément comme nous, et que je n'ai pas de droit de le modeler à ma manière, trop fortement en tout cas. De ce fait, bref, concrètement, c'est ce qu'il nous apprend, il nous dit. Ne juge jamais ton prochain jusqu'à que tu arrives à sa place. Tant que toi, tu n'es pas dans sa position, tu ne peux pas comprendre comment naturellement il perçoit les choses selon sa position. Et de ce fait, ne le juge pas mal, ne le culpabilise pas. Vel tomar davar sheyefshar lishmoa shesofo leishama. Je traduis, littéralement. Ne dis pas une chose qui ne peut être écoutée, qui sera finalement écoutée. Une phrase un petit peu floue, interprétée de deux manières. Soit, ne dis jamais une phrase que, de première vue, elle n'est pas compréhensible, en te consolant, en te disant que finalement ce sera compréhensible. Ne dis pas une phrase qui ne peut pas être entendue, qui finira par être entendue. Ne dis jamais qu'une phrase qui ne peut pas être entendue, que tu finiras par l'entendre, qu'elle finira par être comprise. Soit, si tu veux dire un enseignement un peu flou, que si les gens qui t'écoutent vont finalement réfléchir et atteindre la conclusion juste et le propos juste qui était contenu dans ta phrase, mais de prime abord, ta phrase, elle était floue, elle n'était pas claire. Eh bien, ne dis pas une phrase comme ça en t'appuyant sur le fait que les gens finiront par te comprendre au final. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que les gens vont faire l'effort de te comprendre, il y en a beaucoup qui vont se tromper dans ce que tu as dit et faire le contraire de ce qu'il fallait. D'accord? C'était première interprétation d'après le Bartenora. Et deuxième interprétation, le Shesofo, les Shama, qui sera finalement par être entendu, alors c'est en fait une justification. Al Tomar Davar Shi Yafshar Lishmoa, Kar Sofo Leishama. C'est-à-dire, ne dis jamais une chose que, en te disant que personne va le savoir. Pourquoi? Car tout finit par se savoir. Ouais, Gamof Al-Hashamaï Meli Khatakol, il y a un passage dans Michelet qui nous dit, même l'oiseau du ciel emportera ta voix pour la faire écouter à d'autres personnes. Ça veut dire, en fait, vous avez compris comment il faut lire la phrase? C'est-à-dire, d'après le premier, il faut le dire comme ça. Ve'al Tomar, et ne dis pas. Davar, chez Yafshar Lishmoa, chez Sofoli Shama. Et d'après la deuxième lecture, c'est comme ça. Ve'al Tomar, Davar, chez Yafshar Lishmoa. Pour quelle raison? Parce que Sofoli Shama. Soit, donc, ne dis pas une chose que pas claire, pas jolie, en te consolant, en te disant que personne n'écoutera ce que tu as dit. Pourquoi? Car tout finit par se savoir et tu finiras par regretter ce que tu as dit. Et ne dis pas, grande règle, ne dis pas lorsque j'aurai du temps, j'étudierai. Parce que peut-être que dans ta vie, jamais tu trouveras du temps. En réalité, ouais, il vient nous dire, si tu attends d'être en forme,
avoir assez mangé et avoir assez dormi la nuit. Ne plus avoir de soucis de banque, ne plus avoir de soucis avec les clients, ne plus avoir de soucis avec tel enfant et avec ta femme ou n'importe. Et une fois que tout sera réglé, tu iras enfin étudier calmement. Eh ben mon pauvre, tu risques de ne jamais t'asseoir à étudier. Apprends plutôt au contraire à partir et à lutter contre ton instinct et à prendre tes méninges et à les faire entrer dans le texte que tu vas étudier. Et puis voilà, ouais, c'est ce qu'il nous dit. Donc, Véal Tomar, et ne dis pas, l'urché épané et chené, lorsque je serai libre, libéré de tous mes asakim, alors, et chené, j'étudierai la Torah. Pourquoi ? Shema lotipané, parce que peut-être que dans ta vie, jamais tu finiras par être libre et délivré de toutes tes occupations. Ensuite, Mishnah, Huaya Omer, Enbur, Yere, Chet, Velo Amaret, Rasid, Velo Abaishan, Mamed, Velo Kabdan, Melamed, Velo Koala Marbe, Bishora, Markim, Bimkom Shananashim, Hishtadel, Lihyot, Ish. On va essayer de faire ça très court. Huaya Omer, il avait encore l'habitude de dire, Hillel, Enbur, Yere, Chet, Velo Amaret, Rasid. Littéralement, ça se répète un petit peu, c'est une redondance, on a du mal à discerner la différence entre les deux. Enbur, Yere, Chet, et Yere, Chet, un ignorant ne peut pas avoir la crainte du ciel, ne peut pas craindre réellement le ciel, velo amaret chassid, et un ignorant aussi ne peut pas être un chassid, un homme zélé. Il y a une nuance toutefois entre le bourre et le amaret. Le amaret, c'est quelqu'un qui est ignorant en Torah, mais qui sait se conduire bien. Et le bourre, c'est celui qui a ni des connaissances en Torah, et ni ne sait se conduire de manière polie, honorable, respectueuse. Et alors ? Il nous apprend comme ça. On va commencer d'abord par expliquer la deuxième phrase qui est plus facile. Velo amaret chassid. Dans la Torah, d'abord, il faut discerner. Il y a les mitzvot, ne pas, les lota assez, ne pas faire, et les mitzvot assez, faire. Alors, chaque, l'idéal, bien sûr, il faut savoir, dans la Torah, il y a le minimum imposé, mais ça, il ne faut, faut pas se limiter qu'avec le minimum. Il y a un minimum imposé que moins que ça, tu n'es pas un bon juif. Mais il faut savoir qu'au-delà de ce qui a été imposé, Hachem, il attend donc qu'on fasse beaucoup plus. Qu'on fasse avec zèle, avec entrain, avec joie. C'est pas obligé. Celui qui a fait sans zèle, sans entrain, eh ben, il n'a pas transgressé explicitement l'interdit. Il a fait la katner Hanouka en tirant la tête. Il a fait un bordage, la dikner Hanouka, il a allumé les nerodes, et puis voilà, il est parti, il s'assit. Il a chanté mot sourd, même à la limite, peu importe. Et puis, mais il n'a pas mis de cœur dans ce qu'il a fait. Il s'est acquitté de sa misère, il n'y a pas de doute. Mais malgré tout, Hachem est là donc qu'on le fasse avec cœur, tout ce qu'on fait, toute mitzvah que l'on peut faire, qu'on le fasse avec zèle, avec entrain, avec splendeur. Ça, c'est ce qu'on appelle la chassidoute. Ouais, au même titre que, par exemple, quelqu'un vient et il dit « j'ai très faim, donne-moi vite à manger ». Si je suis un tzaddik, je vais lui servir un plat correct, je vais l'amener à manger, je vais lui mettre une assiette avec dedans un bout de viande, et un peu de légumes, et un peu de pain, de manière à ce qu'il soit, qu'il ait une alimentation équilibrée. Mais voilà. Et si je suis un chassid, quelqu'un qui fait avec zèle, alors je vais lui faire un repas avec des épices et avec du goût, avec de l'odeur, avec du kiff, du plaisir. Ça, c'est la même chose qu'on fait les mitzvot avec Hachem. On peut faire s'acquitter de son devoir, on n'a pas transgressé, on s'est limité à ce qui était écrit, ou bien on a fait avec zèle. Et bien, il nous apprend que lo amaretz chassid. Lorsque tu veux faire de la chassidoute, faire les mitzvot avec zèle, sache que tout d'abord, tu ne peux pas être amaretz. Tu ne peux pas être un ignorant, ne pas connaître précisément tous les détails de l'halakha. Parce que très facilement, tu vas te mettre à faire le contraire de ce qu'il fallait. Cas type, tu as entendu qu'il y avait un certain problème éventuellement de cache-route dans une levure ou peu importe. Est-ce que tu as fait ? Ben, tu as pris toutes les chalotes que ta femme elle a fait, tu les as jetées à la poubelle. Ah, tu es un grand chassid. Putain, t'es un tzaddik. Tu n'as pas compris. Ta femme elle a peiné pendant 2 heures pour les faire. Peut-être que tu aurais dû, dans ce cas-là, demander à un rab, à voir comment faire, se concerter. Est-ce qu'il y a réellement un problème ? Est-ce qu'il n'y a pas réellement de problème ? Comment il y a moyen d'écouler ce pain de manière... Ouais, tu viens, tu veux faire de la chassidoute ? En faire plein ? Faire avec zèle ? Faire joliment ? Mais t'as pas compris. Tu vas mettre tout le paquet ici et tu vas faire du mal ailleurs. Donc c'est pas... L'Oham arrête chassid. Et selon le même principe maintenant, même sur Yerechet, fuir la faute, eh ben, fuir la faute, ça implique que celui qui est bourre, qui connaît, qui est ignorant, et qu'en plus de ça, il est même mal éduqué, il n'a même pas des bonnes midot, il n'a pas un bon rapport avec les hommes. Alors même lui, la crainte du ciel qu'il va avoir, il va vouloir avoir la crainte du ciel, et se mettre, il va être marmire sur quelque chose, il va paralyser, qu'il va faire du mal aux autres, pendant qu'il va... Donc il ne pourra même pas, même fuir la faute, lorsqu'il va vouloir fuir la faute, il va fuir la faute ici, certes, mais il va faire une autre faute sur l'autre côté, parce qu'il est bourre, il n'a même pas de connaissance de mon rapport social avec les hommes. Mais là, celui qui a honte ne peut pas apprendre.
si tu as honte de partir te concerter à un rave, le rave c'est celui qui est censé t'aider. Il est censé te frayer le chemin dans la vie, t'aider à évoluer et à te donner des bons conseils. Selon son expérience, c'est du vécu chez lui. Il est censé t'aider. Si tu vas vers le timide, tu vas avoir honte de lui parler, de lui faire part de tes problèmes. Sache que tu ne vas pas pouvoir évoluer dans la vie. Et à plus forte raison, tu ne vas pas bien comprendre le texte qu'il a dit. Et au lieu de lui poser une question, tu vas poser une fois la question, il va t'expliquer, puis tu n'as toujours pas compris. Et n'hésite pas à lui dire « je n'ai pas compris ». Ah, il va se moquer de toi, les autres vont se moquer de toi, tu t'en fous. Parce que toi, au final, quand tu vas finir ton cours, au moins, tu es sûr que tu auras finalement fini par comprendre. Tu auras fini par comprendre. À la différence de celui qui fait le timide, et finalement, il a retenu une erreur, il n'avait pas bien compris le gars. Velo Kapdan Melamed. Celui qui est méticuleux ne peut pas enseigner. Il faut donner de l'amour à ceux à qui on enseigne. C'est très simple. Même quand on enseigne, à plus forte raison, surtout particulièrement, on a parlé de ça tout à l'heure, lorsqu'on enseigne la Torah à ses enfants, par exemple. On ne peut pas être capdan, on ne peut pas être méticuleux, strict. Tiens-toi bien, et fais comme ci, et fais comme ça. Vas-y, lis. Et non, c'est pas moi de lire, ça doit le dire. Fais-le avec kiff. Moi, je prends toujours. Imaginez que, je sais pas moi, la musique andalousienne, elle est en train de disparaître. Et puis moi, j'ai un dernier des musiciens que je veux donner, je veux transmettre cet amour que j'ai à mon fils. Avec quel amour je vais le faire? Tiens bien ton oud. Je vais le faire avec cœur, avec joie. Vas-y mon fils, prends comme ça, attrape le regarde, fais comme ça le petit bruit. Je sais pas, j'ai pris un exemple un peu, hein, mais c'est exactement ça. Et bien la même chose avec la Torah, imagine, réalise bien que quand tu l'enseignes la Torah, t'es en train de lui donner les kohot, les forces, pour que dans sa vie, il va évoluer avec, il va retenir, ça va s'ancrer dans son cœur. Et si tu crois que ça, avec ta lourdeur et avec tes nerfs et tes déceptions, et t'es fâché et contrarié par ton voisin et par ton client, et tu vas remettre tout ça sur la tête de ton fils, c'est pas digne du tout. Sache que Veloa Kapdan Lamed, c'est pas la bonne approche. Tu vas faire avec amour, avec kiff, et beaucoup arrondir les angles. Velo Kola Marbe Bisrora Markim. Et ce n'est pas tout celui qui est Marbe Bisrora Markim, c'est-à-dire celui qui va faire beaucoup de business, qui va pouvoir devenir intelligent. Sache que c'est. Un, on dépend de l'autre en général. C'est d'ailleurs Medouyak dans la phrase que ça implique que c'est pas toujours, mais c'est quasiment toujours. Ça veut dire, si ta tête, elle est dans accumuler des richesses, sache que tu n'auras pas au final l'intelligence. Tu n'auras pas la chokhma. Tu décides d'avoir la chokhma, il faut que tu te contentes du minimum vital, tu es bien organisé, ça va, bon, Hachem, tu ne meurs pas de faim, tu donnes à manger aux enfants, tu réussis à te déplacer, à faire tes. Ouais, et puis maintenant, tu mets tout le reste de tes forces dans l'étude. Parce que si tu crois que c'est quand tu vas pouvoir accumuler des biens et des richesses et des affaires, que tu vas pouvoir aussi de développer ton intellect, tu te trompes. Et, grande règle qu'il nous donne, lorsqu'il n'y a pas d'homme, veille à être un homme. Soit, dans toutes sortes de situations, on a besoin d'un dévoué qui va se mettre à prendre un repas familial à table. On se retrouve toute la famille avec les cousins et arrière-cousins, on est 40 à table, et puis ça part un petit peu en cacahuètes. Ça parle de n'importe quoi en même temps, ça parle que des blagues. Et toi, t'es celui qui a un petit dvar Torah à dire. N'hésite pas. Bim, comme Jéren, un agile dans un endroit où il n'y a pas d'hommes, parce que pour le moment, il n'y a pas des hommes avec des clowns. Ishtadel yot ish. Veille à toi à prendre les devants et n'hésite pas à parler et à donner de l'allure spirituelle à tout ce qui se passe et à ce repas, par exemple. Donc, et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une plein de sacha, kol tov, salam.